Mardi 14 septembre 2021, libre débat, deuxième numéro et à semaine sur CML 13 Télévision. Merci parce que vous avez belé, Bandeko Bazouan d'Abisson à Soudan du Sud. Merci également pour Naba Observation, Bopé Sibisso, et je crois que ton commissaire n'est pas directeur technique. Oyo, a coupé Sabino, ma réponse est Sengeli par rapport à ma question. Bon, opposé Nabisso. Merci également à Merveille Van Goupé, équipe Naïmo Bimba. Oyo Bazawana pour Nako, proposé Bino numéro. Yamokolo Nalelo, Breaking News, Pasteur Yungi Cho, Azana Bomo Ili Suzute. Akoufina âge, il y a 85 ans. Il y a Zana Corée du Sud, Azako Géré, la plus grande église du monde. Église Oyo et Zanabato Ebele, pardon, Namokili Mobimba et Yongishu d'Azali Kojari Yango, Yewana d'ailleurs, en image, et voilà, Akoufina, 85 ans, que son âme repose en paix. Notre consoeur journaliste Tatiana Osango, enfin, libre, Azan Lissousou, na ANRT, Lobinde, Azalaki, relaxé, libéré. Et évidemment, médiation, il y a UNPC et Pesaki Makasi. Selon communiqué à UNPC, Balobi, justement, ce qu'on a reproché à Tatiana Osango Ezali, a relayé qui un message, il y a haine tribale, un message, il y a meurtre. Et voilà, il y a un débat reproché qui est, il y a passé 13 jours pratiquement. L'agence nationale, il y a renseignement et lobby assis à Bimi, Aza Nandaku, sûrement Sikaoyo, Aza Kolandabiso, Pe Topesiye Mbote. Matata Ponyo, procès, ils a fixé le 25 octobre 2021. L'ancien premier ministre, Akozala Liboso, il y a cour constitutionnelle, Bazouzi, Ponako Samba, Pona dossier, Bukangalonzo, c'est vrai, Boebi que. Tergiversation, Zaki Makasi par rapport à dossier Wana, Akosambato, Akosambate, immunité levée na Sénat. Et Zaki pour la Bukangalon, Zotonaza, réalisation. Finalement, justice, Aken, la logique na Ekino na Souka. Donc rendez-vous 25 octobre, Matata Ponya Kozalakuna, Pona Kosamba. Boyebi que ma billet avion et Kitaki, alors comme il roi Fula Fula, c'est très compliqué. Pour son billet, il y a province, on a RDC. Il faut celle de réservation 2 semaines avant, 3 semaines, même 1 mois avant. Alors, Eza, blague pour la voyager. Et voilà pourquoi gouvernement, il y a RDC, ministère, il y a transport, je pensais d'ailleurs, va acquérir 7 avions, 7 aéronefs, Oyo et pour renforcer des certes aériennes, justement, pour l'intérieur, il y a République démocratique du Congo. Donc, va faciliter que l'avion est comme moins belé. Pour que flux Oyo Ezali, n'inge batouba komisiko, koninga ko déplacer mingi, et poser penza problème te, ya ko gérer quantité wana ya batou. 1 milliard de dollars américains, yango Ezali aide ya Nations Unies, bandimi kope sa na gouvernement taliban, ya Afghanistan. La grande question Zalaki, c'est vrai, boyebi coloration ni ba taliban bazana yango. Est-ce que l'ONU, Yemutazarana, est propre à Kondima pour s'approcher d'un régime où il y a des talibans? Mais finalement, Chouez a quitté la conférence de Genève. Il y a eu un oui, 1 milliard, parce que Batoubaza a été. Alors, bon, il y a eu un boité, Afghan, il faut remettre un responsable. Alors, responsable, ce n'est rien d'autre que le gouvernement, il y a des talibans. Donc, il faut solo là. Dialogue et salement entre Nations Unies. Et là, ça pose d'ailleurs un problème en droit international. Ça serait une sorte de reconnaissance tacite, finalement. Il y a gouvernement, on a taliban, à niveau, il y a Afghanistan. Donc, c'est pour dire que, l'imami sur le plan international, que, Bangonde, Bazako gérer Afghanistan après départ, il y a, américain. C'est fini. Fui bande ko sala nanda ko ya général John Numbi et komina suka selon police scientifique oyo bakenda ki ko chekenda kunaye kotala semaine oyo basilisi musala. Alors finalement nini ba moni à part ba masasi à part ba minduki autostolobela ki yango awa ba yebisi biso ke kuna membre moko ya famille ya général John Numbi azalaki na kati ya lupango wana azasiko na makala ba interpellé pour raison d'enquête. Et ça, maman Moko, il y a Tigaki John Numbi na Katanga, avant Kima, ayaki kofana na lupango wana lotango, contrôle les bandits, bah, kouti wana na ba valise na ye, bon, bah, récupérer, zanon na makala, comme ça,
au pays sur ma détail nous sommes avec ça nini et puis finalement yozanani voilà qu'est-ce que tu connais. Deuxième chose dans le pango ya général, balobi ba moni quelques tenues, ya ba policier tenues ya sika. Mais c'est comme si ba outeko sukola ngona mai pe ba kundi yango na sa mabele. Alors finalement, il y a qui quatre tenues ya ba policier en bon état, ils ya sika, et poli mai ba koti yango na sa mabele. Alors police scientifique ba lingi ba yeba le fait tenue on ezaki ya nani, ba tie yango na mabele pona nini et puis ezana mai ba sukola ki yango pona nini. Donc voilà, explication Oyo, Torozela, Namikoleza Koya. Pe Barosala examen, toujours la police scientifique, na Makila Obakuta qui coagulé pratiquement la locale Oeza Pembe ni a cuisine. Il y a un d'accord général John Numbi. Alors Makila, on est foubaye, Ezaya Nyama, Ezaya Moutou. Qu'est-ce qui s'est passé finalement? Wana Moussala, y a police scientifique, Nde Bakoye Bakosala. Voilà ce qu'on peut retenir finalement. Na dossier Wana, il y a général John Numbi. Dossier à RAM, est-ce que c'est une bonne nouvelle, mauvaise nouvelle? Oui, RAM a dit officiellement que d'ici fin septembre, ba frais, ba unité, ba ndako kata batu, et longue 1.17 unité, si ko ba bando kata 0.70 unité. Donc, et longue, nenge za yili boso 1.17, si ko eza 0.70. Pour n'avoir tout sous le bitin, ça la nyo sur le gros sala, mais ram et zaga de scroquerie, babou mango kaka, balongo la yango, boyebi que IGF a promet à zako enquêté. Il y a deux interpellations. Il y a ministre Apetin Tiko Azade en France, topé si Jeff Caleb Mbotesika Azan à Paris. On a une conférence. Alors, babengi si ministre en Assemblée nationale pour bayo kaye par rapport à dossier Ouana. Atou matouba naza wapi. Tout en nos vidéos. Excellence, monsieur le maire. Maire de la ville de Matadi. Le maire de Matadi. Petit Eric. Avec son petit Eric, à pape. Oh mon Dieu. Yo. Excellence à tout. Pour la reconstruction de cette province. Kouluki. Ah. Viens ailleurs, pendant la babele. Non, viens ailleurs, ailleurs, pendant pour Asunga. Voilà, mon ancien gouverneur il y a Congo central recherché par la justice tout le bas qui en gros semaine passée bah monaki na zela loufou azobima peut-être na lisungi il y a administrateur il y a marché il y a selon information sous réserve votre zaki na ngo et il y a une députée provinciale il y a Congo central mais monsieur le gouverneur à Bimaki, Nzela Loufou, et voilà, t'as la place à ça qu'on s'est retrouvé, ben, Msoubabi Canada, Msoubabi États-Unis d'Amérique, finalement, Yewana, ma bourre en poche, à t'as la vie sociale, na Moussika, à tout Matoubana, c'est vrai, il y a un problème sérieux, na ba frontière, na Bisso, tout le monde peut sortir quand il veut, il peut entrer quand il veut, et ça, ce n'est pas sérieux, justice, ba Zozelaye, Awa, mais Yé a s'est retrouvé, Kuna, à Zako Tala, Siko Bisso, na Moussika, Atou Matoubana, ex-gouverneur, il y a Congo central. Voilà les quelques informations, Zaki Nangwa, en breaking news, il y a Kopé Sanabino Yangwana, Tozana Aristote Ngarime, Yazali, cadre, on a PPRD, Azana Bissuel Ngonde, quoi Aristote Mbote. Mbote Ndeko Jacques, Mbote Nako Debater Nangai, Mbote Nekipe Nabino Nako Mona Awa, chaque jour, na yaka na chaîne, na bino za komona bazoko kine toujours liboso. Merci. Eloko a sika organisation, tout ça accueil au fond de moi. Félicitations na ngoko sala mosala malamu prochain za ko mata. Na sepeli mais na okyo beti penda cette tête na makambo tali makambo a ram oyo. Isengile to zonge la makambo a ram oyo komi lokola fardeux za ko tungisa ba congolais ndeko. Yo ndeko za no sombi unité na 200 unité au tier. Bazu yango sans batou na yo et puis sans un texte moko légal. Ils ont un fondement moko te, ils ont un cadre moko te, pour ça que justifier bazu yango. Non seulement ça ndeko en contrepartie. Mosali ni ba rendre yo yo ndeko Jacques ou bakati unité na yo, l'état rendre service nini po akata ba unité na yo. Toko ndima ku toza na Kinshasa awa, ça passe mais pas na nga na buta na bazu ele na chopo kuna province orientale. Mamo ya somi unité za na mboka bokati, l'état a pesié Mosala ni en contrepartie. Qu'est-ce qu'il a fait pour bokata ba unité na? Donc c'est extrêmement grave, il faut to lobela makambo ya baram oyo, c'est tellement sérieux, pouvoir d'achat déjà à congolais. Ils ont posé problème de Jacques. À cela ko bakisela sous makamba ram.
au bétil cela on a habité pour colombé l'angoté bah changement ma plaque à immatriculation et ça c'est en cours babi déjà le 27 il faut pendant qu'on change ma plaque à immatriculation et ça sera pas d'une manière gratuite vous avez d'une manière payante t'as là ma taxe après taxe à qu'on succéder. Or moi je sais que le pouvoir actuel na cadre théorique nango bazali social démocratie bazali notamment qu'alléger qu'on rendre vie à congolais ça l'appelle souple aye ba réduire ma taxe l'État a intervenu ba bloc comme sousou nous disons à ce stade que le pays va très mal voilà, parce que interpellation au ministre PTNTIC Kibasa et Kozalamala mon assemblée nationale potoye ba toutes les vérités par rapport à dossier RAM. Merci également à Cédric Moudiantou cadre AVC Azab Nabisope et longo na plateau mbote ndeko Cédric mbote mingi ndeko Jacques mbote na ndeko nanga Aristote Ngahimien ko débatteur nanga mbote pe na kulutu focus na moni azana biswawa mbote na ba pardon na ba téléspectateurs qui sont au biso na yo kobeti c'était mingi na likambu ya ba frontière na biso nga na lingi beaucoup plus na lobela makambu ya général John Numbi na linga ko lobela dossier wana parce que c'est quand même problème des vies humaines hein. Alors, tant que toujours le Cambodge John Numbi, na se posera toujours question, était-il un homme institution, un homme État, ou bien un arbre qui cache la forêt? John Numbi, c'était un général. Alors, tant que Bazo Kendeko découvrir biloko ya ndenge wana, makila ya batu na kati ya pièce moko e kauki, bakuti minduki alors que ndako na yeza camp militaire te, bakuti ba makambu onyoso que par le passé, tout ça qui n'a pas suspicion et liwa ya batu. Alors que nous sommes salami na kati ya commune ya Gombe, où les ali miroir ya capitale lieu des institutions, nazo se poser la question vraiment si John Numbi il le faisait en tant que général ou bien justement un bras séculier de quelqu'un qui était en train de se cacher. On a bien lobi kambuya un arbre qui cache la forêt. Pourquoi la lobi bongo? On se rappelle na bambula eleki sima pasteur Coutinho Fernando, lui qui n'était que l'homme de la Bible, tout ce qu'il pouvait avoir chez lui. Et ça qui biblia mutu moko ta ko kende au-delà ya kota la biblia na sima ya kutino mais soi-disant ba service wana ba ke ko découvrir ça c'était un montage clair ba ke ko découvrir minduki et tout ça ba sali montage oyo sala que pasteur kutino lelo azela kaliwana ye lokola mutu moko invalide à combien plus forte raison service de sécurité et trahir mboka quand un homme na kati ya centre-ville ya Kinshasa na biloko ya ndenge wana bakuti nzete ya eboka ya ndenge na ndenge tuyebite bande ko beta batu lokola nyama bakuti minduki bakuti makila ya batu et tout ça mutu wana akimi na ba frontière akeyi alors que justice eza na posa na ye. Je crois ndeko Jacques que dossier oyo il faut pas remonter filière. Voilà, et sous Kana John Numbi, mais et matakino na mutu oya bomba makina sima ya John Numbi. C'est très important puisque bomo ya batu eza na sima wana. Pour en débattre justement na clarification nous sala focus ku kelemena azana biso pe na plateau de ko focus mbote analyste politique politologue. Merci beaucoup ndeko pona invitation. Excusez ngai moke pona moi retard oyo nazwi. Et na pesi mbote na bandeko na ngami bali na linga mingi pe ba oyo baza kolanda biso na nzela ya machine. Deux sujets pour na mokolo na lelo ya liboso marche ya la Muka lobby le 15 septembre. Est-ce que la Muka a commis kabilisé ou kabiliste la grande question en Rwanda za kolobama parce que un courant ya PPRD moko bandimi que ba ko participer la marche wana pour dire non la vérité dictatoriale et de soutenir des politisations SNI Ferdinand Kamber et Alobi Ango mais et où mélité bande comme sousou il y a PPRD justement bango baza ko boya initiative wana notamment ba jeune force ya ba révolutionnaire pour le changement bango ba boyango ba boy makambo ba konzi na bango ya parti balobi que ba ko tambole sika mona fayulu te po muto a finga kabila mingi ezande fayulu alors bango ba ko matisa yete ba soutenir leadership na ye po soki ba tamboli ba kamera nyo se kotala ndé fayulu les alors voilà ba ko pese gaz jamais pas question alors toko discuter justement sur marche on appelle deuxièmement Félix Tshisekedi Batumusu Balobi a sali 100 voyages finalement depuis Azana Bokonzi Kino septembre 2021. Pe ba voyage wana ezo coûté 250 millions de dollars.
la caisse ya mboka ministre des finances Nicolas Kazalabino archifo ezaya soloté montant na batu ba pesi alors ba voyage wana diplomatie wana ya Félix Tshisekedi par ses voyages multiples ezo rapporté nini bénéfice et qu'est-ce que nous gagnons finalement yango tozolo bela na débat ya mokona lelo. Mais d'abord, pour la marche, toujours banana ndeko Aristote. Ndeko Aristote, lobby le 15 septembre, la Mouka baza ko tenir que bako marché. Gouverneur à lobby, non, pour raison de contamination massive et ko senga penza te ba marché. Lobby to moni communiqué à Nojek, bango ba lobby, ba ici bango ba marché le 17 au lieu du 15. Finalement, confusion. Et que d'ailleurs, tout l'an de président, il y a essayé, Martin Fayoul ou Madidi, d'engager à mobiliser pour la marche, il y a lobby. Bien que le gouverneur a pu prise d'acte n'a été. Peuple congolais, chers compatriotes, je m'adresse à vous aujourd'hui pour confirmer que la marche de ce mercredi 15 septembre 2021 aura lieu à Kinshasa et dans les autres villes du pays conformément à l'article 26 de la Constitution de la République. Je rappelle aussi que, sur pied des dispositions de l'article 12 de la Constitution, tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois. Je vous invite donc à sortir nombreux dans les rues de Kinshasa et des autres villes du pays pour dire non à une CENI politisée, non au glissement en 2023, non à la fraude électorale, non à la dictature, oui aux réformes institutionnelles consensuelles. Ainsi, j'invite la police nationale à encadrer cette marche pacifique et à assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Banamboka, moto abangisabino te, biso nyonso na balabala, mokolo ya misato, le 15 septembre, pour pasi eleki na mboka. Belesi nabino, merci, que Dieu bénisse le Congo et son peuple. Ndeko Aristote Bourouzala. Merci Ndeko Jacques Pona Motuna Nayo. Yali Bosso, il faut dans auto fixer ma grande ligne. Il a été clairement dit dans, au plus haut sommet y a parti Nabisso. Je cite le secrétaire permanent adjoint du PPRD, le camarade Ferdinand Kambere, que biso to officiellement to ko zalate to zali ko to zali na bango longo moko to officiellement le parti format officiel ezali ko accompagner à côté drapeau na bino voilà ce format officiel to zali ko accompagner bango te cependant militant cadre ou à s'estimer proche na ba revendication ba propos oyo ezali retenir na kata mémoire ya bande ko la muka akoy ko Kobima Atambola Azana Bango. Donc il faut d'abord que préciser la cacophonie ça les matins. PPRD officiel comme une organisation politique. Ozanaba bureau politique na Bango, secrétaire permanent ainsi de suite. Il n'y a aucun communiqué sur le plan officiel pour la Kobisa Biso les 15 tant que nous la marche. Mais cependant, il y a des cadres comme le Kola Ngaï, Aristote, le Kola tant d'autres, avec estimé que tu es Kokendi. Deuxième point. Il faut se connoter Ndeko Jacques. La divergence de vie est allée entre le bloc Oyo et la Mouka Bazako, la Kisa Koloba, Nabiso. Notamment, quand on a une neutralité, gestion, il y a un peu neutre, il y a un peu CENI. Du coup, et rejoindre Pébiso. C'est pourquoi je vous renvoie au Basu communiqué Zaki Pondi il y a quelques mois, li par le secrétaire permanent à l'OBI, que Biso Tokotina va déléguer na Biso na inokunate aussi longtemps que consensus se soit imité na Katia Seniwana. Donc c'est dans la même, il y a ma convergence de vie entre Biso et la bande de collaborateurs. Voilà, il y a plusieurs points comme ça, où il y a qu'on s'est rapproché Biso pour
un militant a quitté a amassé pour la banque. Justement, Ferdinand Kambere à Lobiango, nous serons là pour encourager la lutte contre toute dérive dictatoriale. Mais Bandeko et Force Révolutionnaire du Changement, justement, proche n'a pas perdu. Bango Balobi, Bako Zalate, Babo Yango, à cause y a des propos indécents. Je cite, de Fayoulou à Joseph Kabila. Monsieur Martin Fayoulou est l'homme qui dénigre, qui critique le plus notre ancien régime et surtout le président Joseph Kabila. D'abord, il faut avoir l'opportunité, les contextes. En politique, il y a des concepts là. C'est-à-dire que la nécessité. Est-ce qu'il y a, dans les cas présents, il faut revenir sur cette réalité là où tout à la nécessité, tout à la contexte, est-ce que ça sera bénéfique, oui ou non, il y a quoi apporter à ton appui, hein, des cadres d'une manière individuelle à qui tu peux marcher. Ça sera bénéfique pour nous, oui ou non. Moi, je pense que ça sera bénéfique parce que, comme l'a si bien dit, bah, dérive dictature des alliés, neutralité des alliés, mais comme il y a des gens qui ont été mis en place, ils ont été mis en place. Vous voyez bien, quand vous avez mis Jacques, comment on a IDPS, Oyo, botama na kati ya ba revendication. Je rappelle ici que l'IDP c'est Boutawa na lettre à 13 parlementaires, revendication. Na kati kuna ba détaillé ma kamwe bele bele. IDP est Boutawa na ba ville morte. IDP est Boutawa na jeudi saint. Kokota la serveur, qu'est-ce qui était dedans? Na mboka o. IDP est Boutawa na ba marche. En réalité, IDP égale marche. En réalité, IDP c'est qu'à revendication. Le pouvoir actuel. Et la matrice, il y a IDPS. Quelqu'un me dira, écoutez, Ngobila n'est pas de l'IDPS, et si de suite, oui, c'est vrai. Mais le pouvoir actuel est la matrice, il y a IDPS. Donc le climat, le pouvoir est encadré par le vent IDPS. Arrivé au pouvoir pendant plus de 37 ans, à l'île, c'est ma marche, à qui aucunement côté les met la marche. Donc il n'y a aucune raison de bloquer tout le marché ce matin, sachant bien que tu es dans un régime d'information. Donc je suis surpris de la raison qui a avancé, par le Covid. J'ai dit que tout ça va puis na zongi kaka samedi awa ndeko Jacques na fait son équipe ne bakendeki ndeko Mboso a sali meeting moko munene awa na kaluka ndeko Mboso a bengi si batu na tali image en boko la ça ça son mafati ben ça dit je me suis posé la question awa Covid ango gouverneur ya ville mon a quitté premier point to moni ndeko Kabuya a ke na bandundu awa a sali si meeting kutu bana kela c'est son boko ne kela c'était boya ko yamba seja ide pesa ko ya to moni full na bandundu Covid a sali quitté. Autre problème, tout le monde dit, ah, bah, conseil, ils ont pilé, ainsi de suite. Donc, raison à Covid, ils ont aussi battu, bah, ils ont étouffé la démocratie, bah, ils ont étouffé la respiration, la vibration, il y a la démocratie, il y a la marche, il y a un engueu salé. Merci. PPRD, on retient, bah, qu'on marchait, mais pas de manière formelle. Voilà. Ok. Alors, Ndeko, Cédric Moudiantou, Kabuya Lobby, chez nos confrères à Top Congo, le rapprochement, la Mouka PPRD n'est pas une surprise. Tous les membres de la Mouka était avec Kabila. Est-ce que Bozomon en a pris des positions et Aristote Awa qui a déjà un rapprochement en vue entre la Mouka na PPRD et Kabila? Et loko moko kakande zozanga. Olandine de Kokritina Aristote nenga zo souffrir. Azo souffrir pour na couper sa forme na argumentation na ye, c'est le courage. Bazana courage te a ko s'assumer. Te biso officiellement to kozala te mais onyo son ministre. Non, ayez ce courage-là. De quoi avez-vous peur? Ayez bani na ba Congolais nyonso. Ayez bana pe déjà que la Mouka FCC, bo tambola na binou na boutou, boutou, boutou. Mais finalement, ba événement, et l'ingé eko misabino na esika oyo, bo koutana. Déjà bo koutana. Déjà bo koutani pe tikoyo. Et ce qui vous manque pour le moment, c'est seulement le courage. Ayez ce courage-là de vous assumer. Assumez-vous de toutes les façons. Nazo kamwandeko Aristote Ngahime, vous êtes un politologue, vous voyez? Et régime y a lelo, régime y a démocratie. Et la démocratie, c'est d'abord et surtout la séparation du pouvoir. Nazo kamwande, comment il fait pour établir la relation entre UDPS, na décision y a autorité urbaine? Namounango pinta, mayele mingi, peut-être à Rouluka expliquer, bisondenga zo sala, liaison wana, UDPS, na décision à Chantini Ngobila. Non, il a donné, il a pris une décision qu'il a su argumenter. Mais tout zonga si ko na makamba marche au lobby awa ndeko ngahime. Bozana malchance ya ko ya na plateau ko luka ko défendre makambu na bato balanda bino batala gouvernance na bino pendant 18 ans. Vous nous avez créé des raisons toutes les fois
que l'opposition voulait entrer dans la rue, même quand vous avez accepté que l'opposition ait marché, vous les réprimiez. Bon, dès qu'au moment quand même, tout temps que combien de Congolais vous bombez, et ça qui est en septembre, non? Au Bossani, il y a un événement à carton jaune, en septembre, avec Étienne Tshisekedi. Et ça qui est en Kinshasa. Tant que incendié le siège, il y a eu de peste, on a calciné les gens là-bas, on a tué des gens ici à Kinshasa, et pourtant, Marchouane est validé par André Kimbuta. Et bien, il y a un septembre. Il y a la télévision pour Bayo Kayo. Et il y a quand même le sens de l'histoire, je me dis finalement. Non, je pense que il faudrait tout à la cohérence, ayez le courage de vous assumer, mais surtout quand vous parlez, tenez compte. Talaka Simanayo, sinon, quoi, comme il finit à Pamba. C'est ça le problème. Naïe, si on a Katia, problème, il y a Marchango. Et c'est que ça a d'abord sur le plan de la forme. Tant on a Moni, Ndeko Fayoulou, Debou, Congolais, président élu, Azoli Labatba, que Tambola. Mais décide-toi. Parce que sur le plan de la forme, il se présentait comme chef de l'État. Mais un chef de l'État qui veut faire marcher les gens pour aller revendiquer je ne sais quoi. Mais ce qu'on on a quatre, il y a discours, on a lobby, Togo Tambola pour la dépolitisation à Sénina français. Aïe, la lingala, lobby, pas si elle est qui va Tambola pour ça aussi, je n'ai pas compris. Mais ce qu'on a la place incohérence, il y a Ndeko Martin, fait le total 2006. Élu député provincial. Là, il n'y a pas de problème. La CENI est apolitique. Et bien que CENI, on est toujours composé par des délégués à la partie politique et puis dirigé par des délégués à la confession religieuse. Là, il n'y a pas de problème puisque lui, il est élu. 2011, Ndeko Martin Fayoulou, élu député national. Même configuration, il y a CENI. Confession religieuse, délégué à la partie politique. Azaraki Nabisson Nzela, serveur central, Ndengazo ça dans la population Lélo. Ndeko Martin Fayoulou va voter député à changer. Non, j'ai écouté ma base. Yé Oyo Akenda qui n'a limité. Pour pas voter, c'est l'anga Katia et Fuji a été checké dans la fiche na yé. Mais tant que va voter, ma institution wana est commis crédible puisque yé abimi. C'est ni commis apolitique. Une CENI à l'époque décriée par tout le monde. Na même configuration wana. Kaka même configuration wana, tu yé nan 2018 au Azapé élu député national. Mais tellement à Matissa qui va en chair naïe sur base y a poids politique où Moïse Katumbina, Jean-Pierre Bemba va pesa qui est. Mais, na kati y a population y a qui n'a mou dilué, abimité, a komi aigri. Na koko ma naïe aigri, a koti pe na incohérence na démarche politique naïe mbala moko, lelo a zo bete na biso li solo ya dépolitisation na zo linga, na chute wana. Bon, mais kabino ba pandis tango, bo tout ni na biso Ndeko Martin Fayoulou. Qu'est-ce que lui entend aujourd'hui? Par la dépolitisation, alors que la CENI a toujours été composée de la même manière. De qui se fout-on? Merci. Alors, Focas Koukenemena, est-ce que les lots, Kabila, Komi, Carrefour, centre d'intérêt pratiquement politique, Oyo, à un certain moment, IDPS, le pouvoir, Bakoko Yako, Sanganana, Ye, na relation à FCC Cash, et peut-être que Simbite Bakabwani, est-ce que Fayoulou peut être tenté les lots y a qu'au rejoindre de Kabila pour avoir une certaine force politique? Merci beaucoup. Liboso Nazou Lingana Yanola Namotuna Ndeko Cédric Amitouni. Lien y a-t-il entre Ngobila et IDPS? Exactement. Rapidement, Ngobila, gouverneur de la ville, qui prend la décision de ne pas permettre qu'il y ait marche. Or, Ngobila est de l'Union Sacrée actuellement. Or, Union Sacrée, c'est quoi? C'est la vision du chef de l'État. Et le chef de l'État, c'est l'émanation de l'IDPS. Donc, Ngobila est dans la vision de l'IDPS. C'est ça le lien. Et c'est rationnel. Exactement. Et c'est explicable et démontrable. À moins que tu me dises autre chose, que jusqu'à la preuve du contraire, Ngobila n'est pas membre de l'Union Sacrée. Or, être membre de l'Union Sacrée, c'est faire la volonté du chef qui a une vision qu'il a appelée Union Sacrée. Donc, là, le débat est clos. Martin Fayoulou, pour chercher à Koukouloué, à l'Obi, mais curieusement, à Pessi et processus, il y a poids politique, impact, il y a Martin Fayoulou. À 2006, il a été élu. Est-ce que c'était sur base, il y a effigie à IDPS? Il répond par non. En 2011, il a été élu par le fait, il y a effigie, il y a Tchitchi. Mais à 2006, quand il était élu? Député provincial. Député provincial, c'est un élu, non? À chaque effigie, à voilà, incohérence. Un problème.
l'acharnement. C'est ça, au fait, quand vous traitez des questions avec des émotions, et surtout quand c'est une fixation aux individus. Parce qu'on a l'ingarba de Bawanate. Mais allons au principe. Le principe, Oyotoza Komona, Ndenge, ou Sali, démonstration que est-ce que Kabila serait un carrefour ou que par force et la nation, d'un moment à un autre, peut rencontrer pour avancer. Ngana lukaka na yebisa bato ba yokanga bien. Politique et ça les makanakati ya champ. C'est-à-dire que c'est un terrain comme ndenge bomonaka terrain à football. Il y a un jeu, il y a des règles et il y a des acteurs. Ba joueur na ballon na ba règles le ko la FIFA aja. Qu'est-ce qui se passe? Je crois d'abord, Ndekonanga Cédric, il serait mal positionné pour considérer que qui traite avec Kabila est un diable, est un fossoyeur. Parce que l'IDPS en est un exemple. Donc déjà, sur le plan argumentaire, ça ne peut pas te déranger. Parce que si vous tentez de dire que traiter avec Kabila, ça relève de la diabolisation. Donc, le vrai diable serait logé du côté de l'IDPS, qui, au vu et au su de tous, a présenté Kabila Oyo Akondimayete Yendendoki. Tel est le cas pour toi, si nous devons considérer que Kabound, ce qu'il avait dit, était sur base des réalités, de faits. Donc, c'est de Kazandoki. Mais c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Kabound qui l'informe. La dédi, voilà. Voilà. Zandoki pour IDPS. Alors, dans les champs politiques, Nayebi Sarabino ke Ekabouamba n'habite ni Mibale. Babenga Kango, champ à intégration. Ou ils allient face A. Ils allient na champ Moussousou, ou Babenga ka face B. Ou Babenga face ya lutte. Face ya lutte, ils allient face Oyo. Bacha yango pona organisation ya cité sur le plan ya élection. Élection ezali champ politique moko oyo etindami na ba enjeu nango mususu epe gena tactique na coaching ezali ndenge moko te na réalité ya champ a o ezali ya intégration là où il faut faire des politiques publiques pour résoudre les problèmes des citoyens. Alors de ce fait attitude yaba joueur, attitude yaba coach, na katia champ ya intégration, na katia champ ya lit, et la ralolenge mon côté. Parce que na katia champ ya lit, qu'est-ce qu'elle recherche? On recherche parce qu'il s'agit de la lutte, on crée un rapport de force. Et les rapports de force dans le champ politique, c'est quoi? Un, c'est le nombre. Deux, c'est les moyens, les parrainages, l'influence et l'importance. Okay. Donc, de ces faits, si on est rationnel et qu'on veut faire la politique. Nazo beta masolo a balété, nazo beta masolo ya du n'importe quoi. Je suis dans la politique qui est une science. Pas se mettre ensemble. Mais quand il s'agit de pouvoir trouver un partenaire qui serait influent, qui serait important, qui ajoutera les nombres et qui donnera la possibilité de convaincre et de vaincre l'adversaire. Merci. Mais quand vous faites des calculs, non, parce que quand on vous dit mathématiquement, attendez. S'il vous plaît, toi, on s'est déjà arrivé, il y a Pius, Roland, Zanabiso, Elongo, na plateau, Awa, comme il moi, Rita, le Copius, à côté d'un débat, place à côté de Bissot, de Kabila, na Fayoulou, nan yazan a besoin, il y a Muninga. Justement, on a formé l'Oyo, Focas, Aouti, Copessa. Qui a besoin de l'autre? Nanero Osala pas vers Muninga pour renforcer Action Namako. Merci beaucoup. D'abord, je voudrais m'excuser auprès de nombreux téléspectateurs. Il y a un bouchon terrible au niveau des artères, ce qui fait que je sois en retard. Je pense que ce que Focas a dit est fondamentalement correct. Puisque beaucoup de gens se sont invités sur le terrain politique juste en raison des injures. Et ça, c'est le lot de l'UDPS. Il faut injurier pour qu'on sente que tu es un homme politique. Il faut injurier pour que tu sois élu. Ça, c'est vraiment
la maladie, non pas seulement de l'UDPS, mais également des hommes politiques, prétendument hommes politiques. Ce que Focas a dit, c'est tout à fait correct, puisque nous, nous avons fait aussi les sciences politiques administratives. En politique, on ne s'invite pas comme si on allait dans une toilette. Il faut avoir le moyen, il faut avoir de l'influence, il faut avoir de la force. Il faut aussi avoir un élément qu'il a oublié, la tempérance. Or, le champ politique congolais n'a pas de tempérance. C'est l'animosité. J'ai entendu ce qu'il a dit, que être avec Kabila, ça signifie tu deviens un diable. Mais le secrétaire général de l'UDPS l'avait dit plusieurs fois. D'abord, il y a certains qui lui ont même dit Kabila est notre frère Moulouba. C'est lui qui va les refuser et sorcier. Alors si sur ce plateau, les gens refusent l'influence de Kabila, d'abord en étant chef de l'État, d'abord chef d'État-major. Il n'y a qu'une seule personne qui refuse. Hein, en étant d'abord chef d'État-major, en étant chef de l'État, il a de l'influence, il a le moyen et il peut chercher les partenaires. N'est-ce pas? Pour conquérir le pouvoir. Puisque ici, nous non avons... Tout cela concret. Je maintenant, Kabila a besoin de Fayoul. Fayoul à la rue, peut-être. Non, personne. Kabila a le moyen. Non, personne à la rue. Tout le monde à la rue. Même moi, je peux mobiliser la rue. Tout le monde à la rue. Tu vas bien, non, 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 non. Nous avons cassé la marche. Mobandaka, Oya Koidro, et Soukaki, je crois que tu as Sendoué, le Soukiwana. Kabila est entré dans une autre forme de la politique. À prendre l'opposition constructive, pas l'opposition destructive. C'est ça la différence qu'il faut faire avec Kabila. Kabila a une grande considération de la population. Ils sont tellement nombreux des Congolais qui l'attendent. Mais sa politique n'est pas une politique de la terre brûlée, de détruire ce que lui-même a construit. Par ailleurs, les autres étaient en train de détruire ce que les autres ont construit. Ils ont détruit ce que Mobutu a construit, ils ont détruit ce que Kabila a construit. Aujourd'hui, ils sont rattrapés par leur propre réalité. C'est pour dire que lorsque vous êtes en politique, la politique n'est pas un champ de l'animosité. C'est un champ de travail pour le peuple. C'est un champ qu'il faut résoudre. On gère la cité, on ne détruit pas la cité. Et Kabila est dans cette forme de construire la cité par une opposition constructive, démocratique. Puisqu'il y a même le texte au Parlement qui l'est dit. On doit avoir une opposition républicaine. Merci. Mais l'opposition des autres, quand vous dites qu'il faut interroger la rue n'a pas d'âme. Je vous ai toujours dit, l'UDPS a brûlé combien de bus dans cette politique. Aujourd'hui, nous sommes rattrapés par cette politique de destruction. Mais Kabila ne veut pas entrer dans cette politique de destruction. Donc, l'un comme l'autre, comme Fayoul, tout comme Kabila, s'ils comprennent que reconquérir le pouvoir signifie taire les divergences d'animosité pour voir ce qui est fondamental pour le peuple. Allez-y. Merci. Alors, Aristote, ça c'est bon. Est-ce que vous êtes capable, si Kaoyo, il y a que ça, là, une vision commune, il y a que fan de Sikamoko, d'un côté l'opposition, d'un autre la résistance, Bosangisengo, et ça le Lokomoko, pour n'a que ça, la front contre le régime ou le pouvoir. Je crois que Naloba Kiango n'a balali bosso pesa inga maloba na baki on a concept msusu convergence des vies. OK, je vais dire ceci, ça dit que voilà, ça dit que ceux qui ba point moko za ko kutana to ko sala nzela ensemble, et c'est vrai sur plusieurs points. Ce que tel makambo to ko dénoncer ezali pendenge bande ko la muka ba ko dénoncer ango to makambo ba dérive dictatoriale to za ki ba to li bosso ko lo bango des malheurs qui installent des dérives dictatoriales dans le cannabis, va désarticuler la République, va changer le texte, va parlement, va rendre un député a commis tellement indépendant par rapport à parti politique, par rapport à ligne de conduite naïe. Donc désarticulation à la République autant que l'Oba, ils ont suivi la dérive dictatoriale. Tout le monde va la muka, va zapper la même niniwana. Convergence de vie, ça ne peut que faire tout. Mais je me sens très faible pour encore rappeler dans Deco Cédric, parce que ça a été très bien fait par Focas. Mais ce qu'il faut retenir, tout simplement, même le pouvoir en soi, il y a un cadre théorique, idéologique
et entourera tout pouvoir. Oyo tout ça l'angoisse de Kabiso Alobi, c'est vrai, c'est la social-démocratie. Il dépasse. Voilà, vous prenez Ango, mais même plus loin pour la Koloba, le peuple d'abord. Certes, Ngobila n'est pas directement membre à IDPS, mais le pouvoir actuel, dans le bas que vous avez bien été, est aussi la matrice. Il y a IDPS. Matrice, c'est IDPS. Ça veut dire que sur le plan encadrement idéologique, encadrement philosophique, c'est l'IDPS qui trône, qui est au chevet. Donc, on ne peut pas comprendre un parti qui a passé, ou est passé toute sa vie, son cursus, son parcours. Il y a que ça a revendication, que ça a marche, que ça a déclaration, que ça a terminé ma déclaration dans la lettre, depuis il y a 13 parlementaires. Les lois ont été les mêmes marche, et que s'expliquait. Donc, c'est ça, aussi le cadre théorique et même idéologique. Il faut que ça tire sa subsistance de l'autre côté de la vision du chef de l'État. C'est qu'il faut savoir. Merci. Tout ça, on va avec beaucoup plus de concision. Alors, Ndeko Sédic, est-ce que vous êtes prêt à confronter cette nouvelle vision commune Oyo Lisanga Oyo opposition de Salasikoyo face na régime face na pouvoir ya Félix Tshisekedi est-ce que beaucoup ka contenir rien Deko Jacques d'abord na linga qui na signifié le rumor tous à quatre na plateau avec deux tendances ça veut dire je pense que j'aurai suffisamment du temps pour na zanga moko na station de cloche toujours dépend d'un réalisateur alors na lina banda Ndeko Gari mais pour lui dire ceci cher ami quand vous parlez des dérives dictatoriales dites-moi dans quelle démocratie on réprime les gens quand ils veulent marcher alors que l'article 26 de la Constitution est clair. Je ne sais pas, si c'est ça faire les sciences politiques, je préfère moi vendre des tomates sur le marché. Vous vous présentez comme politologue, mais déjà des principes génériques. Il y a science, ose défendre, ose ignorer à ce point, vous parlez des dérives dictatoriales, vous venez pour nous plaire, tout pose dans la plateau de télévision, ou bien vous comprenez vraiment ce que vous faites. Vous avez réprimé des gens dans ce pays puisqu'ils ont marché. Et c'était ça la démocratie à votre entendement en tant que politologue. C'est extrêmement grave. Ndeko Focas à l'anda kinga bienté. J'avais dit ceci. Possibilité à Kosangana Nabango Mutaboy Yango Azate, j'ai insisté sur le courage. Ils doivent s'assumer qu'ils disent d'accord. Ndeko Pius Rola va clair comme l'eau du roche. Sur tel point, pour telles raisons évidentes, nous nous mettons ensemble. C'est tout. Plutôt que de chercher des faux fuyants, comme ça se fait là. Vous avez vu comment Aristote Ngarimé a souffert. Heureusement, il s'est fait appuyer par Pius Roland. Mais Nalinga Penel Ndeko Pius Roland. Mais c'est quelle confusion quand vous dites il dépèse parti à bas injure, ainsi de suite. Natikala Koyo ka cadre mon côté. Il y a UDPS Koloba. Soki maman na yo, pardon, soki ma fingio maman na yo, je peux sa maman na yo. Vous voulez nous donner ce monsieur-là, cette recette-là, vous voulez devenir notre président ici? Dites-moi quel est ce cadre d'UDPS qui a déjà dit ça. Il n'y en a pas. Mais aussi, ayez le courage, regardez la caméra. Vous avez dit, UDPS a brûlé les bus dans ce pays. Mais le régime de Kabila a tué combien de gens? Je parle ici d'âme. Je parle d'âme. La vie humaine est sacrée. Mais vous avez tué combien de vies? Puisque tellement qui va manifester démocratiquement selon les lois de la République. Vous êtes devenu défenseur de bus ici, hein? Combien de rapports internationaux, notamment Human Rights Watch, témoigner effectivement que vous étiez un régime tyrannique. Vous avez réprimé dans le sang combien de Congolais aujourd'hui dans le régime Nabino, dans le bras Nabino séculier, notamment John Numbi dans le régime Nabino. Salima Benamboko, vous n'en parlez pas, mais vous avez le courage de venir et dire ici, l'UDPS a brûlé les bus. C'est quand même ridicule ça. Alors je pense que, Ndeko Jacques, je reste dans le principe. Nous n'avons rien, nous, le peuple congolais. Le peuple qui a élu un président, nous sommes prêts à aller aux élections. Parce que nous sommes ça par rapport à Marceau, nous avons représenté une forme Awa, ils ont faux fuyant, ils ont juste alibi pour éviter les élections. Ils savent, même s'ils se mettent ensemble, que la rue, ils refusent la rue, ils savent. Vous pouvez mobiliser la rue. La marche, ce n'est pas le fait à couper, ça va mettre, ça va pomba mbongo, ça va lati, ça va béré rouge, ça va bouki, ça va sali qui pomba dans le non, c'est le peuple. Vous n'en avez jamais eu le moyen. Bosala ngote tant que vous avez les moyens les lobes en ngote bosala ngote alors allez au moins vous cacher derrière Martin Fayulu cachez-vous là-bas on ne se fait pas élire puisqu'on a les moyens oui nous savons Kabila a les moyens nous savons comment il les a obtenus mais ce n'est pas ce qui avec les moyens on est sur le pouvoir ce n'est pas ce qui va faire que bosala na espérance moro politique non je vous dis ici que le problème c'est le peuple organisez-vous
créer des faux fuyants, mais les élections auront lieu en 2023, que vous êtes en train d'éviter. Trois personnes, voilà. Ndeko Focas, est-ce que à Venemawana, il y a mixture Kabila, Fayulu, est-ce que Ekoko Salema Lamouka peut perdre un jour Ekoko Kopsa, ma vision commune, il y a opposition. Est-ce que Mokwa Koumé la Mouningate, en termes de rapport? Tout dépend de ce que ils ont comme vision. Tout dépend. L'objectivité veut que, en termes de principes, je n'ai pas besoin de citer Kabila, Fayulu, qui que ce soit. Non. Ici, Nazo Sala analyse pour démontrer que au Congo, aucun homme politique, aucune structure politique peut gagner les élections seul. Au Betabashit Nengolingi, tu ne pourras jamais. D'où la configuration sociologique il y a Congo, l'élément politique efficace, c'est une coalition pour renforcer les chances de gagner. Calcul wana nazo lingabo komisango calcul ya Kabila te Fayulu te, mais tout acteur politique alala alamuka, il faut azala na notion wana. Même Félix qui est toujours aujourd'hui président, demain s'il faut aller aux élections, et il faut azonga na notion wana ya chance politique na contexte ya Congo, que il faut chercher des alliés, parce que bozo kende na lutte, le nombre est obligé, l'influence, l'importance et le parrainage. Donc ça principe moko sacro-saint, ça ne peut pas changer. Mais obligé. Baza obligé. Pourquoi je l'ai dit? Ici le problème c'est que il y a deux productions. Il y a une production au babengaka savante et il y a une production au babengaka il y a mortel comme est donc il y a pas tunyoso. T'as la attitude, il y a bah ingénieur de construction. On vous dit que pour que bon mon immeuble et bimi bolouli yango, il y a deux trois personnes qui se sont réunies en secret. C'est l'architecte et l'ingénieur. Babengi lisusu, maçon contre maître. C'est-à-dire que tant que vous avez la bimeble, vous avez l'opinion n'est pas là. Ce sont des techniciens, on les appelle en sens politique les ingénieurs sociaux. Ils planifient la technicité pour arriver au résultat. Quand ils vont donner, couler les idées, les théories, les principes, les tactiques, le coaching, si contre maçon tant. Ba sombi biloko bache, ba sali clôture ya monene. Tout ce qui se fait dedans, binobo monate. Mais c'est sûr qu'un groupe de 2, 3, 4 personnes, mais l'immeuble sera habité et envié par toute une collectivité. Donc dans la politique, il y a des choses, il y a des décisions qui se prennent juste par des grandes acteurs pour définir l'objectif à atteindre. Mais ba sala rango kaka en secret, ba sala rango kaka en coulisses. Mais ici, c'est pour la République. Ce n'est pas un complot. Il y a trahison, mais un complot, il y a conquête, il y a pouvoir. Ce n'est pas diabolique. Il faut boutique à couleur, surtout nous, la jeunesse qui venons. Cédric, je te conseillerais. Il est vrai, nous avons hérité de nos vieux. Je suis dans les principes. Oui, nous avons hérité de nos vieux ce qu'ils ont fait comme politique, mais nous n'avons pas d'excuses à présenter si nous faisons comme on doit s'assumer. Ils ont échoué. Pourquoi? Ils doivent s'assumer. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ce que j'ai dit. Le problème, c'est que c'est tout ce que j'ai dit. Qui est clair? Moi, je donne des recettes que même si on appelait en France, merci, on m'appelait en Cameroun, je leur dirais de la même façon. Merci. Alors, mais Nakita, pardon. Zéla. Pardon, Pénal. Zéla. Ndeko Puce Roland. Est-ce que marche au Yalobi à la Mouka, bien que position à gouverneur Reza Nenge Moussousou, est-ce qu'ils ont moyen pour Joseph Kabila à jauger le terrain pour signer finalement retour naïer politique? Est-ce qu'ils ont le rôle de le colonel Maïa, à la soeur Zamozindo? Si c'est bon, Fayoula Fungueliensela, et bien il va se jeter à l'eau. Je ne pense pas que Joseph Kabila soit de la Mouka. Ou elle dit à Martin Fayoula va marcher. La Mouka, c'est une structure libre qui a pris sa décision de marcher, qui est constitutionnelle. Mais laissez-moi rencontrer Cédric. J'ai l'impression que Cédric est né deux jours après le pillage ou deux jours avant le pillage. J'ai l'impression. Pillage avant le 21. Oui, j'ai l'impression. S'il connaissait la marche de cette République,
il ne peut jamais dire un mot en mal de Kabila. Tu ne peux pas. Tu es dans les stratosphères, dans votre laboratoire sous le bois, en train de concocter rien que le balivernes. Il dit, il récuse que l'UTPS n'est pas un parti qui est un jury. Je te donne le sphinx lui-même. Je te donne un élément. Rencontre d'abord l'élément. C'est ça le problème avec l'UTPS. Quand les autres parlent, nous sommes tranquilles. C'est ça l'intolérance de l'UTPS. Et il nie, pourtant il est fait. Rencontre d'abord moi ce que j'ai dit. Je te rencontre. Fingi langa tabou, papa. Je te rencontre. Le sphinx lui-même. Le sphinx lui-même. De son vivant. Etienne Tshisekedi. Etienne Tshisekedi. A insulté Mobutu Koumbé de fois. Kawele Fouifouila vient d'où? Qui l'avait dénommé? Ce n'est pas Tshisekedi. Tu n'étais pas né, tu n'étais pas à l'UDPS. Non, tu n'étais pas né, tu n'étais pas né. C'est pourquoi je te dis, soit tu es né avant le, deux jours avant le pillage ou quatre jours après le pillage. Allez-y. Mais si tu étais dans la marche de cette république, il faut casser ce que je dis. Mon frère, c'est ce que même vous, vous savez ce que je dis. Lui-même, Tshilombo, il a insulté Kabila combien de fois? Les vidéos sont là. Jusqu'à dire c'est un usurpateur. Il a volé l'élection. Il faut le remettre au Rwanda. Ça, c'est pas une injure. C'est pas j'en arrive. Jean-Marie Kassamba Tchalamoine. On suit les injures des gens de l'UDPS. Les audios sont là. Jules, votre pasteur Jules, il a insulté Zoé Kabila. Il a insulté Janet de Bololé. Jules Mounieri, votre président parlementaire, il a insulté Mabunda de nudité. Il est libre. Les autres sont en prison. Vous dites Kabila a tué, mais je te rappelle, tout ce que vous avez combattu, qui ne peut pas faire ça. Mais le 28 mars 2019, à Lubumbashi, chez moi dans le Katanga, donne-moi mon téléphone, je lui montre les vidéos. Massacre à grande échelle. Et les gens chantaient en Tshiluba. Ne nie pas, ce sont les évidences qui sont là. Je te donne les évidences. Résumé, pensez oui, Lucius. Vous dites, vous allez de Coq à l'âne jusqu'à parler de John Numbi. Je sais là où vous voulez nous amener. Vous avez déjà tenu des réunions sur ça. Si on aborde cette question, on nous arrête. Je ne veux pas entrer dans cette question. Cédric, je suis un fin politique, bien que je sois journaliste. Je ne fais pas de la politique, moi je fais de l'analyse. J'ai analysé, je suis en train d'analyser la vie politique du Congo. C'est depuis 2006, moi Pius, même dans mes écrits, j'ai déploré les nombres des partis politiques. Et ça, j'avais donné raison à Mobutu quand il avait arrêté aux trois partis. L'UMPR, l'UDPS et je pense avec le PDC. Tu n'étais pas encore né. Mais il me donne non, je te rappelle. Finalement, il me donne quel âge. Aujourd'hui, aujourd'hui nous avons plus de 700 partis politiques. Idéologiquement parlant, il y a à peu près quatre courants. Les sociaux-démocrates, les fédéralistes, les républicains et les indépendants. Merci. Je chute. Mais lorsque vous regardez notre vie politique, l'UDPS et le PPRD sont de quel courant? Sociaux-démocrates. Ouais. Les Palous, l'UNC, ils sont nombreux. Et quand je te dis que la vie politique en République démocratique du Congo est basée sur les injures, l'animosité, au lieu de se baser sur les pratiques les idéologiques. Mais non, j'entre dans ce que Fayoulou et Kabila, c'est là où je donne raison à Focas, lui n'arrive pas à comprendre. Rapidement, idéologiquement parlant, s'il y a convergence des vues, puisque même les élections ici, nous sommes partis par seuil. Regroupement politique, c'est pour dire que ceux qui partagent la même vision allaient sur le même champ. Mais l'UDPS a partagé la même vision avec Kabila. Après l'alternance, ils ont été au pouvoir, ils ont partagé. Cash, FCC, ils ont partagé le même. La fourberie de l'un, ils mangent les députés des autres. Et on prétend nous donner la leçon de la politique. Merci. Alors, Ndeko Aristote, Lobby Bozo Marché, Namukuse, Potokende Mbangu, Lobby Bozo Marché, est-ce que vous yébi, au fait, pas formellement, Ndeko Otiko Nuancé, Ngona Début, est-ce que vous yébi que Eza,
kutanana makanisi ya mokonzi ya ville te. Kasi yango na lobaki awa argument motivation ezaki na kati ya lettre pona ko pekisa marche wana ezaki ko simba te na bala yaki yango ya tantôt et ko simba te a évoqué kakeloko moko alobi COVID na zubaka ebele pona ko lakisa yo soka pona COVID tala tel cas mboso tala kabuya si tu ya beaucoup de cas o ya zoloba ça ne tient pas. Même le chef de l'État lui-même était en Colosie. Il a réuni les gens pendant la COVID. Donc, ce que tu c'est un argument. C'est un argument. Il faut, je me suis posé la question. Ce qu'il y a dans la rédaction, comment il est en train, je ne sais pas. Encore une fois, j'ai du mal à rencontrer Cédric. Comme il y a lobby a préféré te faire tomate, je crois qu'il faut le faire. Il faut que tu aies une tomate, un lobby, un débat politique, parce que le lobby a préféré te faire une tomate. Je te conseillerais de le faire. D'abord, il faut que tu aies un déco. C'est un principe connu, hein? C'est un principe sacro saint. Ce n'est pas inventé aujourd'hui. En politique, les alliances se font, se défont et se refont. Donc, c'est un principe élémentaire, c'est connu. S'il faut le faire, on ne va pas avoir peur de Cédric. Ou on ne va pas perdre qui que ce soit. Tout ça, là, moi, à l'époque, AMP, IDEMO, Palou, tout ça, là, et les cas de Grand Hôtel. Donc, à ce stade, le concept que j'avais employé ici, n'a pas qu'il convergence des vies. Merci. Oyo Ezali, une autre notion, il faut intégrer. Donc, s'il faut vendre des tomates, je vous conseille. Merci. Ndeko Cédric, finalement, qu'est-ce qui va se passer? Bandeko Bandimi, bac au marché, malgré position, il y a hôtel de ville de Kinshasa. Comment peut se comporter le pouvoir en place, tout en sachant qu'une délégation y a SID et puis un nouvel élan, qu'il y a un CPI pour le code de sa mémorandum par rapport à la violation et à droit de l'homme, lors il y a marche au sein de Malobi. En tout cas, production, il y a un homme qui s'est dit politologue, tant que vous avez la qualité à. Mais j'insiste que je préfère encore aller vendre des tomates. Je ne peux pas être politologue. Il y a UDPS a joué courage à s'assumer à Tambolana FCC dans le cadre d'une coalition officielle. Tout le monde le sait. Ah non, mais laissez-moi parler. Vous avez rajouté pour Nanine. Il s'est victimisé. Tout le monde le savait. Et c'est ce que vous avez manqué ici, vous. Au mois de vie, parce que Ndeko Roland a rejoindre aux a la capacité à Koloba Yango, te Ndima Yango, Bissoto Tambolina Bango, Moki Mberebaki et Simbite Toboyi. Nous avons passé dans le pays sous entendre que politologue Ndeko Rangaï. La constitution prohibe le mandat impératif pour les députés. Président de la République, Tango Asali Yango, à coquin qu'on dit Matemo, comme ça va députer, le quoi va même. Ce n'est pas ça. Vous comprenez? Ce n'est pas ça. Voilà, vous ne comprendrez pas parce que n'a eu que conséquence n'ango sur le plan politique et là qui fatal côté Nabino. Tu as fait ah mais n'ango comprendre tes tout ça dans la moko. Où le dans la moko. De Kongarimi. Pardon, de Korola. Batunyo sur Balandi, ba moni difficulté à zanango, il y a qu'on répondre nga directement. Candidat na bino ya PPRD à l'obaki na biso, soki ba fingi maman na yo, ça c'est à la, pendant la campagne électorale. Non mais pourquoi pendant la campagne il a cette politique. Alors ayez au moins la capacité ici de produire un minimum ya connaissance ou de profiter na bana au bazo landa bino. Cédric, je me retrouve pas vraiment. Franchement, tu te sens un peu déséquilibré. Je ne sais pas, mais je ne suis pas contre toi. Mais je constate que les Cédric que je connais. Non, ayez vous aussi le courage de vous assumer seulement. Le problème, c'est quoi? Assumez-vous. D'abord, la première chose, l'IDPS n'a pas commencé une coalition juste après les élections. IDPS était dans des tractations comme des ingénieurs dans Ibiza. Résumé. Bakenda Kosala déjà, techniquement, comme des techniciens, comme des professionnels, contacts qui ont abouti Kokanisakateke, coalition Wano Monaki et Botamaki Karamokolowana. Avant, il y a eu déjà des négociations, il y a eu déjà des contacts.
C'est pourquoi d'ailleurs. C'est ridicule pour vous. Hein. Non, je te dis. C'est ridicule. Non, Cédric. La coalition est née de quoi? La coalition est née de quoi? D'abord. Vous êtes politologue. La politique est celle de Marabongo. Cédric. Elle est née de quoi? Cédric. Omonie. Monsieur le politologue. L'EPES a eu le temps. Les PPRD voulaient approcher l'EPES depuis longtemps et ils avaient déjà commencé. Basali, tentative et Belé, ils ont pris langue comme des ingénieurs en coulisses sans que l'opinion y ait bas. C'était ça la politique. Et au finish, ça a payé. Ne t'en fais pas. C'est ridicule. Écoutez, je vais te dire une chose. Très ridicule. Omoni et Lokotorobenga, dérive dictatoriale. L'article 26 est lobby que marche pacifique. Na bakisi connotation ya pacifique. Ezali na régime ya information et non ya autorisation. Mais dès lors que une autorité prend la latitude ya ko violer article oyo, yango de babengi dérive dictatoriale. Merci. Pourquoi? Parce que la constitution doit être respectée par tous. Il a changé de date pour une raison évidente. Mais Covid, pour une raison évidente. Quelle est la raison? Covid. Elle a été évoquée. Covid. Elle a été évoquée. C'est ça. C'est vrai que toujours conclure rapidement. Otoyamba Kio, le Mikole Lekaki, tu es revenu sur le dossier ya concession, Mokoawa. Mm. Est-ce qu'en quelques secondes, on peut résumer biso, le vrai problème finalement et on en est où? Autos analogiques, il y a pensé le Mandaki. 5 secondes. Rapidement, parce que c'est ici. Lorsque j'ai toujours dit que l'UDP c'est une malédiction, elle est là en face de vous. Tout le monde constate qu'effectivement, il doit aller vendre les taux. Oh, mais tout le monde, c'est qui? Tout le monde. Il peut perdre autour de moi. C'est normal. Allez vendre les taux. C'est normal. Il oublie le langage de la campagne et le langage lorsqu'on est au pouvoir. Pendant la campagne, on est incivique. Je comprends pourquoi vous avez fait la prison. C'est avec raison que vous avez fait la prison. J'ai compris. J'ai compris pourquoi vous avez fait la prison. Je suis venu premièrement pour dire à mon frère Israël Moutombo de m'accorder le droit de réponse puisque dans son émission il a reçu Gigi Manzikala. Est-ce que Benga qui est? Est-ce que je l'ai appelé, je l'ai appelé, je lui ai écrit et je fais même un petit article. Je l'ai appelé, j'ai son numéro, je l'ai appelé plus de 5 fois. Il ne prend pas mon téléphone. Je demande pour que l'UNPC s'implique, Israël Moutombo doit me donner le droit de réponse. Gigi Manzikala l'avait exigé. Dans quelle affaire? L'affaire que j'avais couverte, s'agissant de spoliation d'une concession. On n'a plus de temps. Ça l'est tout ça déjà un dépassement, parce qu'on commence à Sima, oui. Oui, oui. Chers confrères et téléspectateurs, Gigi Manzikala, c'est un fausseur. Il brandit un arrêté. Lequel arrêté, si les téléspectateurs peuvent le voir, l'arrêté que Gigi Manzikala a brandi est là. Mais lorsque vous regardez sur son arrêté, il y a deux écritures. Et je pense que les téléspectateurs... C'est pas le même cas. Vous avez vu le document, je vous ai montré. Deux écritures. Vous regardez là où se trouve le nom de son père Manzikala. Les caractères et les autres caractères sont différents. Les documents sont élaborés en République du Zaïre, mais il y a les sceaux de la République démocratique du Congo. Le journal officiel ici dément catégoriquement l'arrêté ici. On ne reconnaît pas. Le journal est là. Ne reconnaît pas. Pourquoi je dis ça? Il y a la lettre officielle qui dément que l'arrêté là n'est pas connu. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il s'amène avec un certificat d'enregistrement sur lequel il n'y a pas les armoiries de la République démocratique du Congo. Mais sur le certificat original des autres, regardez les armoiries de la République démocratique du Congo. Il réclame 2 hectares 500 yards de la concession, mais sur leur certificat, c'est écrit 1 hectare. Il y a aussi un à 2. Mais le document est en gros, il y a un. Un seul hectare. Et tous les documents qu'il dispose,
sont détruits par les tribunaux, par cette décision du tribunal de paix de Kinshasa Gombe, par cette décision RP19230-3 chiffres arabes. Lorsque vous lisez la dernière copie, on vous dit « dit établi en fait comme en droit l'infraction des faux en écriture, mise à charge du cité Dubois, que eux disent qu'ils ont acheté les documents et la parcelle chez M. Dubois, qui était le partenaire de M. Benatar, en réalité qui est le propriétaire de cette concession. Il ne lui appliquera aucune peine, l'action publique étant prescrite, ordonne par conséquent la destruction des actes faux, en l'occurrence l'acte de vente ainsi que l'acte notarié du 24 décembre 1960. Et quand vous prenez alors, l'acte de vente... Je termine. Pour terminer, qu'est-ce qui bloque maintenant pour que exécuter le jugement en a, rapidement, pour tout ça, oui. Qu'est-ce qui bloque? Ce sont les pesanteurs politiques. C'est là où je pose la question. Oh, je m'a détruit déjà, m'a cassé ma camion. On a d'abord détruit ces documents. Ils ont exécuté les jugements RP114-444 qui étaient sur séance. Pourquoi c'est étant sur séance? Voilà, il y a ex-président Kabila. Tout était en surséance puisqu'ils étaient au pénal. Pour le praticien de droit, le pénal tient les civils en état. Aujourd'hui, il y a un autre jugement qui vient d'être sorti, qui a rétracté le jugement qu'eux ont exécuté là-bas. Mais là, le problème se pose. Conclusion, conclue, oui. Qui a donné les militaires à Gigi Manzikala pour aller déguerpir 12 familles, puisque les jugements s'y présents détruisent tous les documents qu'il a. Même sur l'acte de vente. Qui alors? Je ne sais pas, c'est aux juristes, à la justice, de nous montrer, puisque dans l'acte de vente... On ne saura pas lire pratiquement tous les documents. Qu'il exhibe... Attends, je vous montre. Dossier à suivre, je crois que tu auras récupéré prochainement, sera commis avant pour en parler. Dans l'acte de vente, l'acte de vente est là. Quand vous regardez l'acte de vente, vous allez encore retrouver deux écritures dans l'acte de vente où se trouve le nom de son père. Je pense que Foucault s'est entré de lui. Deux écritures différentes. On retient. Pesanteur politique. Il y a moins de se bloquer pratiquement. Pesanteur politique, alors il faudrait comme. Cédric est là. Il est de l'UDPS. Non, moi je ne suis pas de l'UDPS. Vous êtes allié. Ah oui. Voilà. Vous avez dit. Je suis autre vision du Congo. Je viens de défier Gigi Manzikala sur ses plateaux. Puisqu'il a demandé, il a cité mon nom. Il vient même sur ses plateaux ici. Je veux aider toutes les victimes. Merci Foucault. Puisqu'il y a un réseau. Merci Aristote. Il y a un réseau qu'on appelle. Réseau Folio, Pius, merci. Qui est là pour spolier les maisons des gens. Merci. Il a dit sur Bossolo, merci, sur Pius. Boulevard, ils ont des immeubles. Pius, à l'époque de Mobutu, on ne pouvait pas construire des conclu. Immeubles. Dossier à suivre. Merci beaucoup. Toutes nos excuses pour nos dépassements. Et voilà, je crois que Ndenge, Touti Koloba, Awa, famille Manzikala, voilà, ceux qui n'ont pas ici comboté, ceux qui balandi, je crois que Bako Kozo a contact Nabiso, évidemment, Bilo Konyoso Oyo, Ndekopius à la Kisieza Evangile était, Bango sur Bazana, version de Bango, Bako Koyanango, libre débat, Tokoyo Kabango, Nanyazolo Babosolo, justement, par rapport à un dossier, il y a concession, et pendant ce temps, il y a des familles entières, au Baza Konyo, comme Libanda, Mboula d'ailleurs, et Lingye Zonga, sur que Kouti Bango, na Bana, rentrée scolaire, Libanda Wana, et Rosala, scandale. Merci. 18h, 21h, rediffusion, lobby 3e numéro. Au revoir.